Je pense qu'à Vevey, on a beaucoup de nationalités différentes qui vivent et qui du coup font que c'est hyper chouette parce qu'on se confronte hyper régulièrement aux autres, à des choses qu'on ne connaît pas toujours forcément. Puis je trouve ça beau. Je pense que dans notre région, on a la chance d'être dans un environnement magnifique. On a le lac juste à côté pour aller se baigner en été. On a les montagnes, le Lavaux pour aller se promener, faire de la rando. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire de vivre dans un lieu comme celui-ci. Je pense qu'en matière de mobilité partagée, transport public, développement des transports publics ou d'autres formes de mobilité partagée, c'est des choses qu'on pourrait vraiment développer. Mais aussi de mutualisation d'espaces ou d'outils. Je pense par exemple à des locaux dans lesquels on pourrait avoir des ateliers dans lesquels on se partage des machines. On a certains ateliers déjà qui commencent à émerger. Une bibliothèque par exemple, c'est pour moi un espace dans lequel on mutualise des livres. À la place de chacun acheter ses livres, et ben, on se les prête, enfin on les emprunte. Et on pourrait imaginer faire ça avec tout un tas d'autres objets, mais aussi tout un tas d'autres espaces pour travailler, pour créer, pour se rencontrer. Moi, j'aime bien regarder les tags. Il y a des choses qui sont de l'ordre artistique, mais il y a aussi des revendications, des fois, des espaces qui sont utilisés pour dire des choses qu'on n'a peut-être pas d'autres endroits où on peut les dire. Et en ce sens, je pense que ça peut nous dire aussi, c'est que peut-être que de créer des endroits dans lesquels on pourrait exprimer ces choses-là permettrait de les faire exister dans des endroits où on aurait un accès à une parole publique facilitée, disons. C'est le jour où notre groupe a réussi à placer un membre puis à la municipalité. Ça a été un peu l'aboutissement de tout un travail sur le terrain pendant des années, à plusieurs. J'ai senti que le travail sur le terrain aussi, à être hyper actif dans des assos, à être hyper actif aussi en dehors de l'institution, parce que je pense que la politique, c'est pas uniquement quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une institution, ben, ça payait. Et oui, j'ai ressenti beaucoup de joie et de fierté à ce moment-là. Prenez un sirop et allez remplir votre verre d'eau à une fontaine. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire.